Salut, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait pour mes amis sur Facebook. Si tu écoutes cette vidéo, s'il te plaît, ne garde pas pour toi seul. Partage. C'est très important. Je vais prier pour toi. Et si tu crois en ce que je vais dire et que tu répètes et que tu partages cette vidéo, tout ce que je te demande, c'est de partager. Et je te donne moins d'une semaine pour voir le déblocage de tes affaires. Si tu crois en ce que je suis en train de dire, je vais dire merci à Dieu. Père éternel, mon Dieu, Dieu de miséricorde, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je bénis ton nom pour l'occasion que tu me donnes pour prier pour cette personne qui me regarde en ce moment. Seigneur, je ne veux pas seulement parler pour moi, mais je veux toucher la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tu vas répéter cette prière maintenant dans le nom de Jésus-Christ. On va d'abord demander pardon à Dieu. Il faut dire, Seigneur, je me repens pour toutes les erreurs que j'ai faites au nom de Jésus. Répète encore, Seigneur, je me repens pour toutes les erreurs que j'ai faites dans le nom de Jésus-Christ. Répète encore, Seigneur, pardonne-moi pour tous les choix que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui dans le nom de Jésus. Pardonne-moi pour tous les choix que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui et qui me font souffrir. Pardonne-moi pour tous les choix que j'ai faits et qui me font souffrir au nom de Jésus. Répète avec moi. Je me repens de toutes choses qui donnent l'occasion à l'ennemi d'annuler mes bénédictions. Au nom de Jésus, je me repens pour toutes choses qui donne l'occasion à l'ennemi d'annuler mes bénédictions au nom de Jésus. Maintenant, tu vas répéter la même prière avec conviction. Répète après moi, plus rapidement. Je me repens pour toute chose qui donne à l'ennemi l'occasion de bloquer et d'annuler mes bénédictions au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire, sang de Jésus. Encore. Sang de Jésus, efface tout dossier que Lucifer détient contre moi au nom de Jésus. Répète encore, sang de Jésus, efface tout dossier que Lucifer détient contre moi au nom de Jésus. Maintenant, tu vas appeler le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, retire-moi de là où je suis. Retire-moi de là où je suis. Et fais-moi rentrer dans la promesse divine de l'Éternel, au nom de Jésus. Saint-Esprit, retire-moi de là où je suis. Et fais-moi rentrer dans la promesse de l'Éternel, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire cette prière avec conviction. Je déclare que tout ce qui a été bloqué dans ma vie soit débloqué, au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui a été bloqué dans ma vie est déjà débloqué dans le nom de Jésus. Répète avec moi. Tout programme de mort qui a été fait contre moi et qui fait que je fais des mauvais rêves soit brisé au nom de Jésus. Répète encore. Tout programme de mort qui a été fait contre moi et qui fait que je fais des mauvais rêves soit brisé au nom de Jésus. Répète encore la prière qui vient. Je vais reprendre. Tout programme de mort qui a été fait contre moi et qui me fait faire de mauvais rêves soit brisé au nom de Jésus. Répète encore une fois. Tout programme de mort qui a été fait contre moi depuis le monde des ténèbres et qui me fait faire de mauvais rêves, brise-toi. Répète encore. Brise-toi. Répète encore. Brise-toi. Brise-toi. Brise-toi au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière. J'ordonne à tout ce qui m'a été volé. J'ordonne à tout ce qui m'a été volé et qui fait que je tourne en rond d'être libéré. J'ordonne à tout ce qui m'a été volé et qui fait que je tourne en rond d'être débloqué au nom de Jésus. Sois libéré. Répète avec moi. Sois libéré. Répète encore. Sois libéré au nom de Jésus. J'ai pris avec autorité parce que, répète avec moi un instant, j'ai pris avec autorité parce que une prière sans autorité n'amène pas les forces des ténèbres à se soumettre.
Beaucoup de gens murmurent quand ils prient, c'est pour ça que l'ennemi ne lâche pas prise. Mais je vais te dire de faire quelque chose. Une fois, tu vas finir de dire le mot, dès que je dis allons-y, tu dis brise-toi, 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 trois fois avec puissance. Répète avec moi. Seigneur, Seigneur, si j'ai été attaché depuis le village, raison pour laquelle ma vie n'avance pas, j'ordonne à la chaîne qui me retient de se briser. Maintenant, tu vas aller au nom de Jésus avec moi. Répète avec moi. Au nom de Jésus, brise-toi. Au nom de Jésus, brise-toi, brise-toi, brise-toi. Encore une fois. Au nom de Jésus, brise-toi, 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 brise-toi. Au nom de Jésus. Encore. Au nom de Jésus, brise-toi, 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 brise-toi. Au nom de Jésus. Répète avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui doit changer ma vie, que l'ennemi a bloqué pour me retarder, soit débloqué. Soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, encore vas-y, soit débloqué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, parle à ta destinée. Tu vas dire ton nom. Par exemple, j'ai dit éloge. J'ordonne à ta vraie destinée de se manifester aujourd'hui. Parce que chaque personne a une destinée. Et quand la personne est ciblée par la sorcellerie va étouffer cette destinée pour la retarder. Mais par ta parole, tu peux activer ta destinée. Quelque chose va se manifester en toi tout de suite. Et si tu crois en ce que je suis en train de faire pour toi en ce moment, tu verras la gloire de Dieu. Répète avec moi. Tu dis ton nom. Si tu veux, tu peux dire mon nom, mais dis ton nom. Sois éloge. Si ta destinée a été inversée, j'ordonne à cette destinée. Par exemple, toi qui me parles, si ta destinée a été inversée, j'ordonne à cette destinée d'être débloquée au nom de Jésus. Alors moi, j'ai dit mon nom, tu dis ton nom. Toi, éloge, si ta destinée a été inversée, j'ordonne que cette destinée soit restaurée. Soit restaurée, répète, soit restaurée, soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée au nom de Jésus. Répète encore. Toi, éloge, dis ton nom, pas mon nom. Toi, éloge, si ta destinée a été bloquée, j'ordonne à cette destinée d'être débloquée. D'être débloqué, d'être débloqué, d'être débloqué au nom de Jésus. Répète avec moi. Je brise et j'annule. Répète encore. Je brise et j'annule. Répète encore. Je brise et j'annule. Tout piège que la sorcellerie m'a tendu. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Répète. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule au nom de Jésus. N'oublie pas que chaque chose que la sorcellerie programme est suivie d'une circonstance pour sa manifestation. Répète avec moi. Que toute circonstance que la sorcellerie a programmée pour me faire mourir avant la date que Dieu a fixée pour moi, avant mon temps, je brise et j'annule cette circonstance. Toute circonstance que la sorcellerie a prévue pour me tuer avant mon temps, brise-toi, répète encore. Brise-toi, brise-toi, répète encore. Toute circonstance que la sorcellerie a prévue pour ma mort soit brisée et annulée. Brise! Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule au nom de Jésus. Dernière prière. Et fais cette prière avec autorité. Ne t'amuse pas avec ce qu'on est en train de faire. Après ça, fais attention à tes pas, fais attention à tes gestes. Parce que le déblocage prend lieu maintenant en ce moment dans ta vie. Répète avec moi. Que tout ce que je devrais recevoir, tout ce que je devrais recevoir, répète, que tout ce que je devrais recevoir pour que ma vie avance et qui a été bloqué, j'ordonne maintenant la restitution de cette chose. J'ordonne la restitution. J'ordonne la restitution de tout ce qui a été bloqué dans ma vie. J'ordonne la restitution au nom de Jésus. Répète avec moi. Je condamne toute langue qui me juge nuit et jour au nom de Jésus. Répète encore. Je condamne toute langue qui me juge, qui m'attaque. Toute langue qui me juge, qui m'attaque dans les ténèbres. Je te condamne. Je te condamne. Je te condamne au nom de Jésus. Répète avec moi, Seigneur, si mes ennemis se lèvent pendant la journée pour m'attaquer, frappe-les. Si mes ennemis se lèvent pendant la nuit pour m'attaquer, frappe-les jusqu'à ce qu'ils aient peur de mon nom. Frappe-les, frappe-les. Répète encore, si mes ennemis se lèvent contre moi pendant la nuit, frappe-les. S'ils se lèvent contre moi pendant le jour, frappe-les jusqu'à ce qu'ils aient peur de mon nom. Au nom de Jésus. Nous allons dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour la réponse que tu nous as accordée. Nous savons que tu nous as exaucés. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de nous accorder. Car nous prophétisons déjà à la manifestation et le déblocage. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen. Je te conseille de partager cette prière. Ne la garde pas pour toi seul. Répète-la pendant 7 jours avant la fin de l'année. Même dans ce mois, avant décembre. Répète cette prière tous les jours. Ne t'amuse pas avec.
partage, s'il te plaît. Partage, s'il te plaît. Partage. Et aussi, si tu veux obtenir plus de prières, de combats, de délivrance, de libération, de manifestation et des enseignements, comment prier pour avoir une réponse rapide, je te conseille ce livre. Je regarde parce que souvent j'ai tendance à renverser. Alors je te conseille ce livre. Obtiens ce livre et je te montrerai comment faire des prières pour avoir une réponse rapide. Ne t'amuse pas. L'année est en train de finir. Ta vie doit être protégée. Contacte-moi. Merci. Et Logique ici. Bye.